ضروري مشاو الحضارات. لا هذا التاريخ بس عليك. نعم لا ذكرك التاريخ لا بس عليك. ايوا فعلا normalement c'est un budget de l'État, c'est un financement de ses moyens, donc par conséquent le résultat devrait être à la disposition du citoyen et bien sûr à la disposition des acteurs de la région, des acteurs de la nation et voire même à l'échelle nationale. Et l'enseignant-chercheur, de par ça, c'est ce qu'il fait, ce qu'il sait faire et ce qu'il doit faire aussi. Comme j'ai dit, il va produire la connaissance, mais aussi il est obligé d'aller toujours être en contact avec ce qui se fait ailleurs, à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale, et de pouvoir ramener cette connaissance et l'adapter à notre environnement. Encore plus, il faut qu'il soit aussi en contact. La vie, la région, qui est devenue une référence nationale, une référence régionale et une référence continentale. Marrakech est aujourd'hui, voire une des plus belles success stories des 30 dernières années au niveau du tourisme mondial. Parce que quand on regarde le résultat, l'impact que ça a par rapport aux investissements, je pense que ce business case peut être étudié, développé, et on voit de plus en plus de gens qui viennent. On reçoit des gens du monde entier qui sont fascinés par le succès, par cette notoriété, par ce rayonnement de la destination. Nous, on vit dedans. De temps en temps, on ne voit pas toujours la puissance de ce qui a été déjà réalisé dans un contexte qui n'était pas toujours des plus favorables. Donc, je voudrais juste profiter, parce que je sais qu'il y a aussi des étudiants avec nous, pour les rassurer, pour leur énorme de recherche, de formation, etc., mais qui n'est pas encore exploitable de votre part. Je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui que je vous remercie, moi, à titre personnel, pour vous dire que cette dynamique que vous avez créée en tant que président CRT et CNT est exceptionnelle. Une dynamique collaborative, une dynamique qui intègre l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble des acteurs. On a eu beaucoup de discussions auparavant. Pour les CPP, sur la région de Marrakech, c'est vite et ambitieux d'atteindre 4,8 millions de touristes d'ici 2026. En s'appuyant sur des projets liés aux similaires thématiques. Afin d'y parvenir, cette feuille de route entend transformer le secteur du tourisme en agissant sur tous les leviers essentiels dans le renforcement du. Mais je suis entièrement d'accord avec cette intégration du côté des professionnels dans mon type de formation. Personnellement, j'ai participé à des formations certifiantes et c'est vrai que le retour était très positif parce que, bon, évidemment, on a besoin de cette partie théorique, certes, mais la partie empirique reste quand même très importante et importante. Capital humain, c'est la perte de nous tous, et l'université, et les professions du tourisme. À partir du moment où on arrive, je pense qu'on commence par la continuité du cours, si on arrive à faire sortir ces formations, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, eh bien, on pourra travailler sur les formations pendant une année, si ça ne fonctionne pas. Après des réflexions, on pourra faire. L'excellence et l'université. Être dans la prospective. C'est-à-dire la prospective, je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, entre la collectivité et les projets d'investissement qui sont en cours, si aujourd'hui on a 100 avions qui arrivent, on a besoin aujourd'hui peut-être de 124 ou 142 par jour, mais dans 2-3 ans, peut-être qu'on aura besoin de 160 avions par jour. Mais qui donc. Ce n'est pas d'ailleurs où il y a une première licence. Lancé déjà en 1996 et en 2016, et aussi plein de formations de
et des doctorants. C'est un panorama. J'ai créé ma propre entreprise, une école de sport nautique vu que ça j'ai la une ville côtière. Je suis une formation pluridisciplinaire qui touche à plusieurs thématiques, ce qui m'a beaucoup servi dans mon prochain travail à la Fondation Jardin Mur. Malheureusement, n'est pas suffisamment connu. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas parce que nous avons des difficultés à recueillir des informations. Qui opère dans les systèmes? Qui opère dans les systèmes de production? Est-ce que ce sont les hôtels? Est-ce que ce sont les transporteurs? Est-ce que ce sont les agents de voyage? Quelle est la part du secteur informel? Parce que beaucoup de Lauréats aussi travaillent dans le secteur informel. Et ce secteur n'est pas connu. Donc, comment est-ce qu'on peut, nous, dans le système de production, répondre aux besoins d'un secteur ou d'un système qui n'est pas suffisamment connu? Les études et les recherches qui ont été faites, on a remarqué qu'il y avait effectivement des problèmes d'adéquation entre ces deux systèmes. Alors, on reproche souvent au système de formation de ne pas être à jour, c'est-à-dire qu'au vu des évolutions technologiques, au vu des évolutions aussi du
C'est à partir de là qu'on doit démarrer tout système éducatif. Le profil des visiteurs va déterminer les besoins, va déterminer les produits que l'on va commercialiser. Et les produits commercialisés vont permettre d'identifier le besoin en qualification et en compétences, et ensuite être déclinés en programme de formation. Donc, le planificateur, c'est le planificateur qui identifie le besoin en formation. Le planificateur va souvent identifier le besoin à partir du nombre de postes qui étaient ouverts. On va ouvrir 50 hôtels, on va prendre deux chambres. Et au niveau d'un hôtel, je prends l'hôtel parce que c'est l'entreprise de référence qui recrute le plus grand nombre de personnes, donc c'est notre champ d'études. Et à partir de ces besoins-là, on va décliner le nombre de cuisiniers. Normalement, des composantes. Et c'est très important parce que ça se reflète par la suite sur la durabilité, je dirais, la fiabilité de ces formations. Ça, d'une part. D'une autre, il est maintenant question de revenir sur les structures de recherche. Vous savez que dans le pâtisserie, qui est un chantier qui est fort en valeur, on a beaucoup attiré l'attention sur l'intelligence collective, sur les interconnexions entre les structures de recherche, sur normalement les mobilités à l'échelle nationale et internationale. Et je pense que beaucoup d'efforts se font dans ce sens-là. On est en train de voir ça. Mais il faut aussi penser à la réglementation normalement de ces structures de recherche. Peut-être que les structures de recherche ont besoin de plus d'autonomie, d'accord, pour qu'ils puissent jouer ce rôle. La structure de recherche ne devrait pas se réduire à une simple structure qui s'occupe uniquement normalement de l'encadrement des tests ou l'implication ponctuelle dans des projets, mais elle devrait devenir un vrai incubateur, même si vous voulez, de ces projets. D'accord, aller même jusqu'à la création, si vous voulez, de projets et d'entreprises, pourquoi pas, pour devenir un co-incubateur avec d'autres entreprises. Donc, aussi créer une structure d'intervention. Et là, c'est extrêmement important. L'interface, donc je dirais recherche, acteurs, territoire, elle est très importante. Et donc, on devrait interpeller tous les acteurs. Donc là, les institutionnels, les collectivités locales, donc les établissements de formation, tout le monde devrait trouver, si vous voulez, sa place dans cette structure qui devrait jouer à l'interface. Alors maintenant, la structure, comment elle va fonctionner? Là, il faut penser gouvernance. Quelle est la voie? Est-ce qu'on va choisir la voie, bien sûr, de la contractualisation? Quelles sont les formalités normalement opines, je dirais, à asseoir, si vous voulez, une projet partenariat? Ce que je vais dire, ça n'engage que moi-même parce que je parle d'une expérience personnelle. Les partenariats et la relation, on va dire, entre l'université, l'UQAM et les acteurs de l'écosystème a démarré par une relation, on va dire, dans ce sens. C'est-à-dire où les universitaires, ils reviennent vers les professionnels pour répondre à une question précise, une enquête, un entretien, etc. Et aujourd'hui, je pense que cette relation, elle a atteint un certain niveau de maturité où les professionnels sont encore demandeurs des universitaires. Et je pense que cette dynamique, elle a été créée, je pense, aux alentours depuis 2017, parce qu'il y a cette prise de conscience de l'importance de l'universitaire en tant qu'acteur majeur, en tant qu'acteur consultatif dans les actions qui mènent. Donc, d'après mon expérience, parce que je porte deux casquettes, ex-responsable et aujourd'hui en tant que professeur à l'université, je peux dire que, d'après mon expérience, j'ai eu l'occasion, bien sûr, d'encadrer un certain nombre d'étudiants en master sur des sujets extrêmement importants où les résultats, ils étaient très utiles pour moi à l'époque. J'ai eu l'occasion éventuellement de soutenir des accréditations pour des nouvelles formations. J'ai eu éventuellement en tant que doctorante et responsable aussi de travailler sur des projets avec le laboratoire de Berlin dans le cadre du laboratoire sur le projet Marin d'Arménisation avancée, sur le projet de la COVID dont il a parlé au professeur tout à l'heure, au professeur Rocheron, où il était le rôle, bien sûr, de mettre en avant le rôle de l'universitaire pour accompagner les professionnels et des lignes pour que nous puissions travailler d'arrache-pied en quand je ne peux pas faire un rapport sur si on ne va pas résoudre le problème. Déjà, nous avons des initiatives de CRT qui est engagée vraiment avec l'université, de recherche aussi. Donc, il faut fédérer ça. Donc, il faut se mettre d'accord sur une structure pour vraiment cadrer beaucoup de travaux dont je vais parler.
Je suis très content que sur votre analyse ou bien le résultat de votre enquête, que les professionnels sont conscients d'un rapprochement pour déterminer quelles sont les disciplines, les besoins en matière de formation, d'amélioration, etc. Ça, c'est très important. Mais le seul relais qui pourrait ce genre de résultat, ce n'est pas le professionnel lui-même, mais c'est sa structure. C'est son porte-parole, c'est son association professionnelle. Quitte à ce que cette association soit bien armée, bien sûr, en personnel, en moyen. Vous connaissez un peu la situation des associations, s'il y a une volonté, une compagnie. Parce qu'il faut voir aussi que le côté associatif n'est pas encore brillant. Il y a des volontés qui travaillent, c'est bien, mais il faut vraiment professionnaliser les associations. Pourquoi? Parce que si on lit les revues et les travaux de l'extérieur, professionnels, parce qu'il y a des études, des chiffres, des données, etc. Donc ce n'est pas une chose à négliger. Et pour que l'association soit au niveau de l'université, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des compétences, bien sûr, personnelles, mais en même temps, il faut que la structure globale soit du même niveau. Donc il faut aussi que l'association puisse s'armer pour s'orienter dans ce sens-là. Pour ne pas être long, donc j'ai apprécié beaucoup les interventions. Donc il y a matière de travail constant, nous sommes déjà partants. Ce que je peux dire comme recommandation, que j'avais signé avant de venir, donc pour les programmes de formation et stage, il faut renforcer ce point-là. C'est-à-dire les formations, il faut que nous puissions intervenir pour orienter. Pour que nous puissions plus par la suite que ah, les formations ne sont pas adéquates. Moi, je n'ai pas ce terme-là. Le ministère de l'UFPT nous a toujours donné la chance, et même il y a longtemps, ils ont donné à cette formation personnelle, c'est propre à nous, pour former à nos professionnels. Donc il y a une possibilité, les parties prenantes sont à l'écoute, on ne peut pas négliger ça, mais il faut trouver des synergies, il faut essayer de chercher comment profiter de cette situation de proximité. Et Dieu merci, nous nous connaissons entre nous, nous avons étudié à l'université, les événements et les conférences scientifiques sur notre niveau là, mais dans cette situation, on va planifier. On va ordonner tout ça sur le temps, sur la temporalité, bien sûr, sur l'espace. Du networking en faveur des étudiants. Il faut que, je dis ça sur la synthèse de cette année, que même les professeurs proposent que les étudiants puissent contacter l'entreprise, faire des visites, faire du networking, avoir des partages, connaître avant même, à l'issue de leur formation, connaître l'entreprise. Nous, dans l'ancienne formule dont j'ai parlé, on ne savait pas qu'est-ce que l'entreprise. On étudie à la faculté, pas de stagiaire jusqu'à la fin. On fait des stages, mais ce n'est pas programmé, ce n'est pas comme maintenant les jeunes, dès la première année. Moi, j'ai mes enfants qui sont en première année, deuxième année supérieure, et pour ils connaissent c'est quoi la banque, c'est quoi l'entreprise, c'est quoi le développement durable. Nous, on n'avait pas cette occasion-là. Donc les choses se sont améliorées, il faut le dire. Il faut. Et puis, il faut faire des études de marché, puis parce que mettre en place un panel sur 6 mois fixe, avec des thématiques spécifiques sur les études de marché, sur le besoin, la satisfaction, les tendances et tout ça, et avoir en l'occurrence des données à utiliser pour permettre d'orienter les offres de prestations en termes de qualité des services, etc. Donc un système avant-gardiste pour anticiper le marché. Pour anticiper le marché, il ne faut pas suivre le marché pendant le marketing. Donc il faut vraiment être à ces gars. Il faut créer un data analytics, un centre pour analyse de données. Moi-même, il y a une année, nous avons formulé une demande écrite à l'université et encore en traitement pour demander à la Cité d'innovation un bureau. Nous avons obtenu une réunion technique moins rapide sur le France pour voir les possibilités de mettre les professionnels et les enseignants à contribution et travailler sur les analyses de données. Par exemple, si je prends même sur le web, on peut faire des recherches sur le web, ce qu'on appelle la ethnographie, pour voir la population, les limitations, les commentaires, ce que les gens disent. On peut sortir bien sûr les textes et comprendre les besoins des touristes, les choses dont ils souffrent, etc. Donc, sur le web, on peut faire des recherches énormes. On peut faire ça sur le terrain, mais si on a la possibilité de faire les portes, parce que les entreprises sont le monde et ils nous donnent toutes les facilités pour ça. La dernière enquête, on l'a diffusée largement, je pense. On n'a pas parlé des gens qui nous, mais j'espère que la réponse était vraiment satisfaisante. Donc voilà, ce sont des outils. Vraiment, avec les conférences, je suis très contente. C'est la première fois qu'on a cet échange avec des professeurs, des chercheurs, aussi en pertinence, autour d'un sujet qui est capital. Parce que ce sont nos enfants. Ce sont nos jeunes et on a un nombre très élevé de jeunes à insérer professionnels. Et nous avons la responsabilité, nous, système de formation, de les former, de les insérer et de les continuer à les accompagner tout au long de leur carrière. Ça, c'est notre rôle.
cette initiative de faire un dialogue si clair entre les partenaires de l'écosystème touristique. J'aimerais bien revenir au premier panel. Il y a pas mal de personnes qui ont parlé. C'est-à-dire, il y a deux choses complémentaires. On parle à l'intérieur de l'entreprise touristique et il y a peu de discussions à l'extérieur, l'écosystème à l'extérieur. Il y a plusieurs défis. Le prof a déjà défini plusieurs défis. La concurrence, c'est-à-dire accrue, la saisonnalité marquée, le manque de diversité, l'infrastructure insuffisante. Ce n'est pas uniquement au niveau du secteur. Hier, le Royaume-Uni a rappelé les touristes au Maroc en disant « Faites attention, l'eau n'est pas potable ». Vous voyez que lorsqu'on parle de l'infrastructure, ce n'est pas uniquement le secteur touristique. Il y a le capital humain, c'est très intéressant. Il y a aussi la responsabilité sociétale. Dans le secteur du tourisme, des apertures de mal de fond, la réponse adéquate aux défis des problèmes de Covid, du nombre de terre, de tout le monde, a été très bonne, ce qui prouve qu'il y a une très bonne capacité d'adaptation et d'innovation. Dans le cadre du régime de développement avancé, économique et social, on doit d'abord répondre à un certain nombre de questions. Je vais rapidement donner une liste de points sans être à ce sujet. J'aurais beaucoup de questions avec l'amabilité de moi. Okay. On reçoit des conférences mondiales, mais parfois on trouve, nous les professionnels, que la qualité du personnel n'a rien à voir avec les établissements. C'est-à-dire, on a de très très beaux établissements, on a la capacité, on a un personnel avec la volonté de travailler, mais on a malheureusement un manque de formation. Et parfois, on reçoit des lauréats des institutions, et parfois, tout ce qui est théorique n'a rien à voir avec le terrain. Alors peut-être. De toute façon, que c'est la première ville touristique du Royaume, donc double volet pour le professionnel, comment pour profiter du sport pour augmenter tout simplement les marques du territoire et augmenter son chiffre d'affaires. Et ce qui est très important, comment créer l'emploi à travers ce centre d'excellence afin de marier ce sport au tourisme et former des lauréats dans ce domaine. Sachant que effectivement, c'est un domaine très important. Et pour terminer juste, pour la production scientifique en relation avec l'université, dans le domaine sport et tourisme, et merci pour la qualité des interventions. Merci. Merci. Professeur, chercheur, laboratoire LERA. En fait, moi, c'est plutôt, c'est par vos questions, ce sont des remarques. Certes, quand on dit le secteur touristique, c'est un secteur qui est bien évidemment prometteur. Mais il pose deux problématiques. La première problématique, il est liée à l'écosystème en fait, touristique. Ça veut dire qu'en fait, il pose la question que M. Boyhut a décortiquée, c'est la question de la qualité. Qualité de service, qualité d'infrastructure, qualité de personnel, la qualité sociale, qualité sociétale. En fait, c'est pareil. Parce que quand on accueille un touriste, par exemple, dans la Mamoria, c'est très bien. Mais à 200 mètres de la Mamoulian, on sait très bien qu'est-ce qu'il y a à 200 mètres de la Mamoulian. Donc il faut penser aussi qu'est-ce qu'il y a au niveau de la société. Je pense que M. Parmi l'a bien dit, l'a bien posé. Donc c'est aussi la qualité de l'infrastructure. Et donc cela, moi-même, a posé la question, en fait, quand on pense au tourisme, il faut penser au paysage économique général dans lequel, en fait, le tourisme fait partie. Le paysage économique général de la région Marrakech-Safi est vraiment très faible et très pauvre. Pourquoi ? Parce que Marrakech est entouré par des poches de pauvreté très graves. Donc il faut repenser l'économie locale de la région. Certes que le tourisme fait partie des piliers, est un pilier majeur de cette économie, non seulement régionale mais aussi nationale, mais là, pour parler d'un véritable tourisme,
durable. Parce que la durabilité, comme on l'a bien mentionné, c'est une condition sine qua non, ça c'est sûr. Mais là, pour vraiment assumer et assurer cette durabilité, il faut revoir quelque chose qui s'appelle l'économie régionale. Merci beaucoup. Merci. À la faculté des lettres et sciences humaines, une belle organisation, dont je suis certain qu'il aura à l'avenir certains. Déjà, il est porté par un éminent staff de professeurs avec une grande expérience derrière, des références en la matière, tels que professeur Bozrov et ses collègues, éminents professeurs, mais aussi de nombreux recrues. Plein de dynamisme et d'aspiration, donc j'en suis persuadé que c'est une idée. Bonsoir à tous et à toutes. Je commencerai par vous rassurer et vous dire que vous ne pas vous inquiéter. Je sais que vous êtes fatigué, j'essaierai d'être. Bref. Monsieur le Président, bonsoir. Chers collègues, chers étudiants, chers invités, notre rencontre aujourd'hui est inscrite dans le cadre des dialogues universitaires à l'AIAB. Acteurs régionaux. Après une première édition consacrée à la question de l'eau, cette deuxième édition organisée sous le thème du tourisme à Marrakech et au-delà, parut du partenariat université, acteurs de l'écosystème touristique. Cet événement, comme vous l'avez constaté, s'est entamé avec une allocution de M. le Président de l'Université Travaillère, où il a souligné le rôle de l'université et la nécessité de son ouverture sur son environnement, sur la création aussi d'un centre d'excellence dédié au tourisme. Le président invite également à nouer des partenariats pour réussir le projet de ce centre d'excellence. La deuxième audition de M. Boutaha, président du Conseil régional de tourisme, Marrakech Safi, où il a rappelé l'histoire de la collaboration avec l'Université Ravaillère. Il a également rappelé la place qu'occupent Marrakech et sa région pardon, sur la scène touristique mondiale. Il a abordé les perspectives de l'industrie touristique qui s'avère solide. Il a également insisté sur le rôle du partenariat université travailleur et professionnel tourisme pour valoriser l'impact du tourisme sur la région et stimuler l'emploi. La troisième intervention, c'est de M. le délégué régional tourisme de Marrakech Safi, où il a présenté la politique, les stratégies et les initiatives du ministère dans la région. Il a souligné quelques limites, pour ne pas dire faiblesses, de la formation proposée par l'université, avant de dresser quelques recommandations susceptibles de surmonter ces difficultés et d'insister sur l'importance de la collaboration avec l'université. Puis, nous avons pu assister à deux panels. Le premier panel intitulé Tourisme dans la région Marrakech-Safi, défis et perspectives, animé par notre collègue professeur Douar Chevalier Idrissi, qui a essayé ou qui nous a dressé à travers sa modération un diagnostic de l'activité touristique dans la ville de Marrakech et dans la pays. Premier intervenant, c'est M. Amalik, secrétaire général de l'Association régionale de l'industrie hôtelière, qui a rappelé la place du tourisme pour une fois dans l'économie du pays et de la région pardon. Puis il a souligné la résilience de l'activité touristique et la question de la notoriété à travers une collaboration avec toujours l'université. M. Boucheux, qui est expert en tourisme, pour lui, le tourisme est un locomotif pour l'emploi. Il a appelé à respecter trois conditions, renforcer la connectivité entre l'université et son écosystème. Quant au deuxième panel, il est consacré aux perspectives et aux solutions des tracas qui entravent la réussite du partenariat de l'État avec les acteurs de son écosystème. Félicitations. Il a droit à un chèque ? Le montant ?
Deuxième prix. Mademoiselle Aya Haït Kobi. Aya Haït Kobi, étudiante députée à l'École supérieure de technologie des Sahara. Bravo, mademoiselle, félicitations. C'est une chance, la région Marrakech-Safi.